Salut Internet, très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo d'immobilier. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des frais de notaire. Quand tu achètes un bien immobilier, tu as les frais de notaire. Il ne faut absolument pas les négliger car ils sont assez chers par rapport à l'acte de vente. Tu vas voir que c'est très important. Je vais t'expliquer ça dans la vidéo. Avant ça, je t'invite à aller dans la description de ma vidéo, de cliquer sur mon petit lien pour recevoir toutes mes astuces immobilières régulièrement mises à jour. Il suffit simplement que tu cliques sur ce lien, que tu remplisses le formulaire et tu reçois par mail toutes mes astuces du moment directement et gratuitement. Avant de parler des frais de notaire qui sont un coût assez fort dans l'acte de vente, on va parler déjà du notaire. Qu'est-ce que le notaire? On va le définir parce que tu sais très bien qu'ici, dans Immo Family, on cherche à t'apprendre tout de A à Z et que tu repartes avec toutes les clés en main pour à la fois être rentier et avoir toutes les astuces et les conseils précis. Donc comme ça, tu vas pouvoir tout ce qu'il faut. Donc qu'est-ce qu'un notaire? Un notaire, c'est un officier public qui a pour but de récupérer tous les contrats ou les actes que les parties souhaitent rendre authentiques au niveau de l'autorité publique. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire en gros que tu passes devant un juriste qui rend légal ton acte de vente dans l'immobilier, tout simplement. Il sert à ça. Bien sûr, il sert à d'autres choses, mais nous, on va parler clairement dans l'immobilier. Il sert aussi, par exemple, pour tout, si tu veux faire un pacte, si tu veux faire un divorce, etc., tu passes directement devant un notaire. Il y a la possibilité de faire ça. Mais dans l'immobilier, c'est vraiment pour rendre authentique et légal et qu'il n'y ait pas d'oubli au niveau de l'acte de vente, au niveau légal, pour que tout soit précis et qu'il n'y ait pas de problème derrière toi en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur. Tu peux être aussi dans le cadre du vendeur. Voilà ce que c'est un notaire. Contrairement aux idées reçues, les frais de notaire ne concernent pas que le salaire du notaire. Une très grande partie revient à l'État. C'est en gros un énorme, tu peux voir le notaire comme un énorme collecteur d'impôts pour l'État. Tu vas voir, je vais détailler ça tout de suite, mais voilà, dis-toi vraiment que la plupart des frais de notaire sont pour l'État et c'est grosso modo 1% qui revient au notaire. Alors, je vais te faire la liste détaillée, la plus détaillée possible. Je t'invite bien sûr après à aller sur Internet et voir plusieurs articles sur notaire.fr. C'est le site des notaires en France où tu auras vraiment précisément, si j'ai fait des oublis, tu auras vraiment le listing complet des frais de notaire. Mais en gros, la plus grosse partie des frais de notaire, c'est à peu près 5,8% du prix de vente. Ce sont les droits de mutation qui sont vraiment la part la plus forte. Ensuite, tu as la contribution à la sécurité immobilière. Qu'est-ce que c'est? La contribution, c'est à peu près 0,10% du prix de vente. C'est en gros l'enregistrement et la publication foncière de ton acte de vente qui est du coup rendu public. Tu as aussi les frais divers. Les frais divers, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les dépenses que le notaire va devoir faire en dehors des impôts, d'accord, pour rédiger ton acte de vente. Donc, je ne sais pas, je prends l'exemple, l'état daté de ta copropriété, ça coûte de l'argent. Si c'est ton notaire qui appelle, la copro peut facturer le notaire et lui te le refacture derrière. Ça, c'est un exemple. Et ben dans toutes ces démarches, il y a plein d'argent sorti et tout cet argent que le notaire a sorti pour faire l'acte de vente te sont refacturés. C'est à peu près 400 euros TTC en moyenne sur toutes les démarches. Évidemment, ces démarches-là prennent du temps pour le notaire et forcément, il te le facture en émolument de frais divers. L'émolument, ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire salaire. Ça veut dire en gros que sur toutes les heures qu'il a passées, toutes les démarches qu'il a faites, l'envoi de mail, la réponse, les coups de fil, etc., qui lui ont permis de rédiger ton acte de vente, pour tout ce qui est frais divers, il te le facture comme des honoraires tout simplement. Il reste les émoluments du frais de notaire. Donc là, c'est vraiment le salaire du frais de notaire qui prend derrière. Donc sur tous les frais de notaire que je t'ai dit juste avant, il y a les émoluments du frais de notaire. Donc vraiment, ça, c'est son salaire comme toi. Si tu travailles, si tu es un employeur, ton salaire à la fin du mois, bah, tu peux dire que c'est comme des émoluments. Et bah, pour le notaire, c'est le mot qu'on utilise, c'est les émoluments du frais de notaire. Ils sont aux alentours de 0,8% du prix de vente
pour un achat au-delà de 60 000 euros. Donc dans l'immobilier, si tu achètes des appartements, c'est souvent au-dessus de 60 000 euros. C'est pour ça que je ne m'attarde pas sur les autres pourcentages des prix de vente qui sont inférieurs. Je t'invite à aller sur internet pour les chercher. Mais en immobilier, souvent, c'est au-dessus de 60 000 euros les achats. Donc retiens bien que les émoluments du frais de notaire, c'est 0,8% du prix de vente. Et ensuite, tu as la TVA sur ces émoluments de frais de notaire qui est 0,2% du prix des émoluments de frais de notaire. Voilà, donc là maintenant, tu as une liste détaillée des frais de notaire et tu vas pouvoir du coup savoir vraiment ce que tu payes au notaire, ce que tu payes aux impôts et ce que tu peux défiscaliser surtout. C'est très important, ces frais de notaire, tu peux les défiscaliser dans certains cas en fonction de comment tu as créé ton entreprise. Et du coup, tu vois que les frais de notaire, tu n'as pas beaucoup qui revient au notaire et tu as beaucoup qui revient aux impôts, donc enfin à l'État, donc aux impôts. Et les impôts souvent sont défiscalisables, comme tu le sais souvent. Ou si tu ne le sais pas, c'est la vidéo, elle sert à ça. Donc voilà, regarde bien tout ça et vois ce que tu peux défiscaliser. Les frais de notaire sont beaucoup pour l'État, je te le répète encore une fois, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'État qui fixe une grande partie, même les émoluments du notaire, c'est l'État qui fixe les prix de frais de notaire. Donc, qui dit l'État dit quelques variations quand même en fonction de la région, d'accord? Là où tu achètes, il y a certains impôts qui sont moins forts ou d'autres, notamment sur les droits de mutation qui sont moins forts sur certains endroits. En 2016, de mémoire, c'était 2016, il y avait une hausse ou une hausse des frais de notaire. Certaines régions ne l'ont pas faite. Du coup, dans certaines régions, c'est plus ou moins cher. La plus grosse variation des frais de notaire, c'est surtout si tu achètes dans le neuf ou dans l'ancien. Si tu achètes dans le neuf, c'est entre 2 et 3% du prix de vente. Et si tu achètes dans l'ancien, c'est entre 7 et 8% du prix de vente. Évidemment, dans ces 8%, 7 à 8% ou 2 à 3% du prix de vente, tu as le listing que je t'ai fait avant, qui une grosse partie revient à l'État et l'autre aux frais de notaire qui est une toute petite partie. Mais en gros, pour toi, parce que tu dois savoir combien en totalité ça fait, c'est bien beau de savoir le listing, c'est très important. Mais toi, quand tu vas faire ton calcul de rentabilité au niveau d'un bien, il faut que tu saches le global, combien les frais de notaire vont te coûter. Donc le neuf, c'est 2 à 3% et l'ancien, c'est 7 à 8% du prix de vente de ton bien. Je prends un exemple. Si tu achètes un bien à 100 000 euros qui est neuf, tu auras entre 2 et 3% de ces 100 000 euros qui seront les frais de notaire. Pour l'ancien, si c'est à 100 000 euros un bien et qu'il est dans l'ancien, tu vas devoir faire 7 à 8% de ces 100 000 euros et ça va te donner les frais de notaire sur ton achat, sur l'acquisition de ton bien en ancien. Après, si vraiment tu veux des calculs précis et une somme précise, on va dire, qui va te donner un avant-goût de combien tu devrais payer en frais de notaire, tu as des sites comme meilleurtaux.com ou pap.fr, d'ailleurs c'est .fr ou .com, mais en gros meilleurtaux et PAP, tu peux les rechercher sur Google. Là-dessus, tu as des simulateurs de calcul de frais de notaire où tu mets directement le prix de ton bien, c'est l'ancien ou du neuf et d'autres caractéristiques qui vont te calculer directement les frais de notaire. Et ça va donner vraiment une estimation très très proche de ce que tu vas payer plus tard. Et souvent, ces sites-là font une estimation à la hausse pour pas que tu aies des déconvenus quand tu as fait ta calcul de rentabilité. Et il vaut mieux faire un calcul de rentabilité plus fort au niveau des frais de notaire et être sûr que derrière tu vas en payer moins et du coup avoir une meilleure rentabilité que l'inverse. Donc souvent, ces sites-là font des estimations à la hausse. Un petit peu à la hausse sur les frais de notaire pour pas que tu aies de surprises pendant ton acte de vente. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que cette vidéo va te servir dans ton package d'outils au niveau de tes achats ou de ta vente immobilière pour être encore plus un expert en immobilier, notamment sur les frais de notaire. Maintenant, tu connais vraiment les mots-clés et tous les détails des frais de notaire. Avant de partir, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à commenter, liker et partager tout autour de toi cette vidéo car n'oublie pas internet que c'est toi qui fais vivre la chaîne.